Salut à tous, bienvenue aujourd'hui sur Hitman 3 pour la suite de l'aventure avec notre agent chauve préféré. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec une cinématique, vous ne lui devez rien, et ensuite, mission à Berlin, prédateur perché. C'est parti. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. C'est quoi cette ambiance? On est à Berlin donc. Et y a pas de briefing. C'est spécial. Une station service. Y a un petit côté Alan Wake. Ça fait presque peur. Eh bien écoutez, on va fouiller un peu partout. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Contactez Olivia, alors attends, est-ce que je peux me servir de mon téléphone? Ah voilà, téléphone prépayé. Allô? Olivia? Trouvez Olivia. Ça m'a vachement aidé. Bon, eh ben écoutez, on va fouiller. Un peu partout. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Est-ce qu'on peut se payer une petite boisson, non? Eh non, il me faut une pièce de monnaie. T'as rien sur toi? J'ai juste mon tel. Ok. En tout cas, l'ambiance me fait froid dans le dos. Un prospectus. Consultez renseignements. Un prospectus sur lequel on lit Far Zur Hall. Ouais. Cool. Ça me fait une belle jambe. Je peux ressortir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un moyen d'entrer? Non. J'aurais bien soulevé le portail, mais... Oh, le drapeau français. Ah, examinez. Qu'est-ce que tu vois dedans? Consultez renseignements. Un fourgon banalisé. Il y a quelque chose d'étrange avec ce fourgon banalisé. Que fait-il garer derrière un arrêt de bus en pleine nuit? Tout ça est suspect. Je fouille tout, j'observe tout. Je suis un enquêteur hors pair. En même temps, je viens de terminer le jeu Accident et... Je me suis bien entraîné. Je suis rodé. Ok, bon, je pense qu'il y a un d'autre à analyser par ici. Là, on peut pas rentrer. D'accord. Le téléphone.
Ah bah une pièce. Magnifique, on peut aller se prendre un petit café. Ou un petit coca, plutôt. Est-ce que je peux choisir? Que dalle, ouais. Un soda. Attends. Allez. Fais-toi plaisir. Comment je fais pour la consommer, par contre? Non, je peux juste la jeter, en fait. Truc qui sert à rien. Bon, bon, bon. La pompe à essence, bon, on s'en fout un peu. Ouais, je suppose que c'est par là-bas, il y a une voiture. Allez, on va avancer un petit peu, parce que là, on traîne. Il n'y a rien à faire avec cette voiture. Elle est encore allumée d'ailleurs. Ce niveau est intéressant. Il y a un mec. Couteau de combat. Oh là. Il s'est fait planter lui. J'ai récupéré un couteau. Ça n'engage rien de bon. Ce niveau risque d'être sanglant. Sanguinaire. Violent. Ne pas toucher. We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up-and-comers. They've infiltrated the club searching for us. Christ, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. Cette mission est intrigante et étrange. Bienvenue à Berlin. Et alors pour info, je vous préviens, je connais la mission. Je la refais une seconde fois, parce que franchement, j'ai totalement foiré la première. Attention, on se planque. C'était vraiment le bordel. J'ai rien compris à ce qu'il fallait faire. Et en fait, il y a des cibles un peu partout. J'ai ragé comme un porc, donc franchement, je préfère recommencer. On va commencer par s'occuper de lui. Au couteau, bien sûr. Hop là. Et les gants. Ramasser une oreillette. Maintenant. Voilà. Ouais, l'arme, non, on va pas la prendre. Et le corps, on va le mettre dans le buisson. This is like looking for a needle in a haystack. Just keep trying, Agent Montgomery. Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat. You can't underestimate them. Et l'idée, ce serait de lâcher notre couteau parce que du coup, on est suspect. We'll find them. We're all in position. Good. Report back to me if there's anything. Don't worry. Il y a une teuf. Alors, je peux vous le dire tout de suite. Je n'y suis pas convié. Alors ce qu'on va faire, c'est passer par derrière, on va essayer de rentrer. Ah bah attends, la porte est ouverte? Mais non. Et tout à l'heure, quand je suis venu ici, c'était fermé. C'est chelou, hein. Mais on va pas passer par là, les amis. Je vais faire exactement ce que j'ai fait la première fois que je suis venu. Attention, c'est une zone interdite. C'est une intrusion, mon cher agent 47. Donc là, tu y vas doucement. Une petite pièce de monnaie qui tombe bien. On va aller là-bas parce qu'il me semble qu'on peut changer et récupérer une tenue assez facilement. Hop là. Ni vu ni connu. Alors, ce qu'on peut faire avec elle éventuellement... le problème, c'est que on pourrait planquer le corps, mais c'est vachement plus loin. Du coup, je préfère lancer une pièce ici, tu vois. Genre... Voilà, elle réagit. Elle va venir voir ce qui se passe. Normalement, je dis bien normalement, elle me repère pas. Si jamais, je m'occupe d'elle. C'est bon. Et on passe vite avant qu'elle revienne. Attention au gorille. Un peu plus loin. C'est dangereux, hein. Mais ça passe. Voilà, comme prévu. Attention! Ouh, alors là, par contre, je m'attendais pas à celle-là. Mais c'était limite aussi, hein. On peut jouer avec le tuyau éventuellement pour l'attirer. Ou alors, on peut s'en occuper. Attends. Je vais passer de ce côté. Oh, attends, elle arrive. Eh ouais, elle a vu quelque chose du coup. Là, c'est plutôt la mouise. Elle fait le tour carrément. Je m'attendais pas à celle-là, dis donc. Les choses commencent mal. Ah tiens, une pièce. Pratique. C'est bon, elle s'en va.
Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Elle, par contre, je m'en occupe. Salut ! On la maîtrise. Et là, si je n'ai pas de bêtises, on récupère, mesdames, messieurs, la clé de la zone du personnel. Alors ça arrivait aussi, hein, dans le premier Hitman et le deuxième, que je recommence des missions. Quand je fais ça en vidéo, parce que c'est vrai de vous montrer une run qui est vraiment nulle à chier, c'est pas le but. Quand je foire réellement, et je vous l'ai annoncé dès le début, hein, du let's play, si jamais il y a vraiment un run que je foire, je la recommence parce que c'est très moche. C'est très très moche. Quand je commence à rager, c'est pas bon. Alors attention... J'aimerais bien qu'il se retourne avant d'essayer de rentrer. Parce que là, c'est la garde-robe. Allez, on tente. On peut se changer comme ça. Il me semble. On se change en salarié du club. Voilà. Hop là. Ni vu ni connu. Maintenant, vous êtes des copains. On check. Tiens, une nouvelle pièce. Comme ça, ça m'en fait deux. On n'a jamais assez de pièces pour attirer. Oh, un petit muffin. J'adore ça. Ah, je suis un vrai gourmet. Hein. Alors, on peut aller check là-bas. Alors, fouiller le complexe et intercepter les communications de lycéens. Et bien sûr, faut éliminer des cibles. Alors, en tout, je vous lis, il y en a 5. Voilà, comme ça, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Et ils sont un peu partout. Clé de la zone du personnel. Oui, je prends, tant qu'à faire. On a quoi? Poison manquant. C'est quoi, c'est une saucisse? Tu veux que j'empoisonne une merguez? C'est quoi cette histoire? Allez, on va sortir. Bon, attention tout de même au point blanc, hein, parce qu'on n'est pas autorisé à aller partout, je suppose. C'est pas comme si on faisait partie de la technique. Le staff, donc ça, j'ai le droit, bien sûr. Là, c'est pour laisser des objets, ça peut être pratique. Est-ce que j'ai quelque chose de dangereux? Pas du tout. Un muffin, ça va. Des pièces, c'est bon. Et là, on ressort à l'extérieur. Ah oui, c'est la porte qui était ouverte au tout début. Très, très bien. Donc ça, c'est l'entrée. Ok. Maintenant, on peut progresser. On va aller... sur la piste de danse. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et alors ces machins là, ça me fait penser à mon ancien logo. Et pour les plus anciens qui me suivent sur YouTube, souvenez-vous de cette intro. Avec ce petit carré et mon G. Franchement, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça date de combien, ça? 2012-2013, hein, ça fait bien 7-8 ans. Hein. Bien tassé. Hein. Regarde-le, lui. Tranquille. Alors, est-ce qu'on voit une cible? Pas du tout. Mais on peut se dire que les points blancs... Ça en est peut-être. Oui, exactement. Exactement, exactement, on va se mêler à la foule. Agent Montgomery, le chef du groupe. Ancien marine, Montgomery est un vrai pro et l'un des meilleurs agents de l'ICA. Il ne doute jamais et remplit toujours sa mission. Extrêmement confiant, à la limite de l'arrogance, il sait qu'il a ce qu'il faut pour capturer le légendaire agent 47. C'est ce qu'on verra. Bah donne tout, hein, parce que moi j'ai en forme. Donc on a une première cible. À la limite, ce qu'on pourrait faire éventuellement, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'on va aller fouiller un peu partout, comme ça au moins on va identifier un maximum de cibles, et on se les fait tout après. Ok? On fait ça? Donc là, il y a un cutter, pourquoi pas, je veux... Ticket du bar à jus, bon, je prends tout ce que je peux prendre, hein, je vous le dis. Et là, on pourrait éventuellement prendre la tenue ici de barman, je crois, mais c'est pas le but, hein. On est bien comme ça, non? Je peux pas aller plus loin. Dissimuler objet, poubelle. Non, on va rester sur les pièces pour l'instant. Et par contre, je peux venir par ici. J'aime bien ce spot parce que, regardez, là, il y a aussi un coffre pour planquer un corps, ça peut être vache utile. Intrusion. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un pied de biche, on dirait. C'est un pied de biche. Là, on a les gars de la technique. Bon, les gars et les filles de la technique. Ouais. Attention. On a la boîte à fusibles. Éventuellement, on peut attirer quelqu'un avec une pièce. Un marteau. Ça, c'est vachement bien. Et là, regardez, on a une caisse. On passe par là. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 non. Reviens vite, j'ai pas le droit. Fais pas le fou. Restons sur des schémas classiques, voulez-vous? Oh, une cible, deux cibles. Ok, très bien. C'est bien, ça en fait deux déjà. Je sais pas si je devrais prendre une tenue de la technique.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que oui. Prise de courant haute tension. Vas-y, éteins. Ça va bien attirer quelqu'un, non? Est-ce que quelqu'un va venir vérifier, du coup? Ce serait vachement bien. On a une cible qui reste, tu vois, au-dessus, comme ça, qui observe. Qui observe la piste. Et on ira ensuite, hein, on ira sur la piste de tense. Hein. Rassurez-vous. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que personne ne vient voir. Je l'active. Bon. Après, c'est aux choses sérieuses. Voilà. Quelqu'un devrait venir voir, logiquement. J'ai failli me faire rôder. Incroyable. Allez, viens voir, mon bon monsieur. Comme ça, au moins, je prends ton costume. Et je me fais passer pour un technicien. Ok. Dis-moi qu'elle voit pas, l'autre. J'espère qu'elle voit pas. Ça m'a l'air bon. On se déguise. Remets le truc. Active. C'est bon. Dépêche-toi. Nickel, elle est repartie de l'autre côté. Parce que là, si j'avais pas réactivé, je pense. La boîte à fusibles, à mon avis, elle venait voir si son pote... s'il n'y avait pas un souci, quoi. Nickel. Donc là, on est en Gatlatech. La cible, par contre, on va s'en méfier. Alors, je pourrais le pousser dans le vide. Ça pourrait être une solution, mais bon, c'est un peu sale, je trouve. Attention, vérifiez le régulateur de voltage avant que les DJ ne commencent à mixer ce soir. S'il est cassé ou en surcharge, le climax installé sur le tronc d'arbre pourrait exploser à l'activation. Danger de mort. J'ai pas non plus envie de tuer des gens, moi. C'est pas le but, n'est-ce pas? Ah, ça pourrait peut-être tuer lui, par contre. Ah, il faudrait un tournevis. Pourquoi pas? Alors, en fait, je pense que le but de ce niveau, c'est de trouver les façons les plus stylées, en fait, de tuer les mecs. Parce que là, on peut très bien, bon, leur mettre encore une fois une balle dans le crâne et puis c'est fini, mais... c'est nul, quoi. Un tournevis! Magnifique! Eh ben, tu sais quoi? Allez, on fait ça. Je pense que c'est plutôt une bonne solution. Ça va être cool. Installation de l'arbre de lumière. Court-circuité, allez go. Je fais partie de la tech, faut bien que ça serve à quelque chose. Et donc maintenant, quand il va activer le climax, ça va péter. Intéressant, franchement intéressant. À la limite, ce qu'il faudrait, c'est se mettre en DJ. D'ailleurs, je l'ai fait juste avant, quand j'ai fait la mission pour la première fois. Donc ouais, on va se mettre en DJ. On va activer le climax et on verra ce que ça fait. J'espère que ça va blesser personne d'autre, par contre, c'est juste ça. J'ai pas le droit d'aller plus loin. Ok, je pense que je vais descendre par là. Et on va voir après comment faire pour passer DJ. C'est typiquement le genre de mission où il faut improviser à fond. On a plein de possibilités et on fait un petit peu ce qu'on veut, quoi, tu vois. En fait, c'est une mission qui est moins, je trouve, pour les débutants que les autres. Parce qu'il n'y a pas d'intrigue, on n'est pas guidé. Et quelque part, c'est ce qui fait que la mission est vachement bien. Mais d'un côté, ça peut frustrer les nouveaux venus de la série, tu vois, et qui n'aiment pas réfléchir un peu par eux-mêmes. Ah bon, on y est, je crois. Attends, si je vais là-haut. Je suis jamais allé. Parce que j'ai pas tout fouillé non plus, hein, attention. Ouais, je suis jamais venu ici, pour être franc. Qu'est-ce qu'on a? Un cutter encore. Si je vais plus haut. Faut faire attention, parce que parfois qu'on arrive dans une zone, on n'a pas le droit. En fait, ça m'avancerait quoi de venir ici? Ça m'avance à rien du tout. Sans déconner. Je vois pas à quoi ça m'avance de venir là. Bon, bah écoutez, j'ai voulu essayer. On peut glisser. Je savais même pas. Ok. Bonne ambiance, hein. Allez, on va essayer de se mettre DJ maintenant. Ce sera plutôt cool. C'est verrouillé là. Alors ça, c'est un DJ, tu vois. Faudrait prendre son costume. Et donc là, on va activer le boîtier. Oh non, la cible est là-haut, ça va. On active le boîtier, ça va attirer quelqu'un. Et j'espère que c'est bien le DJ qui va venir et pas un garde. Hein. Et on a deux cibles hein, pour l'instant qui sont en attente d'être tuées, si je puis dire. Cherche la source du leurre. Allez, viens par ici. Il arrive. Attention. Je t'attends, petit.
Hop là. Mais non. Mais tu l'as tué. Mais quel connard. Mais c'est pas ce que je voulais faire du tout. Et voilà, je vous l'ai dit. Faites attention à ce que vous avez en main. C'est pas vrai, j'ai oublié. Bon, je reprends la pièce. Oh, que c'est chiant. Et donc voilà, là on est en DJ. Allez, on planque le corps. Ah, je suis trop déçu. Il faut pas tuer les innocents, on va avoir une note de merde. Ah, c'est la folie. Je peux aller plus loin? Eh non, parce qu'il faut une carte d'accès, ouais. Ah, j'ai merdé, là. Vraiment. Bon, c'est pas grave. La porte est verrouillée. Je peux pas aller plus loin. Est-ce que je peux passer éventuellement de ce côté? Oui. Super. Allez, je te congédie. À moi de jouer. Je suis là pour le prochain mix. Mesdames, messieurs, DJ Galax au platine. C'est maintenant. Allez, on chauffe la salle. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous passez une bonne soirée ce soir? Attention, on va surcharger Climax. Ça va péter. Et la cible, vous la voyez, elle est là-haut. Je me demande si ça va lui faire quelque chose. Attention, 3, 2, 1. C'est parti, envoyez la sauce. Et... ouch! Oh la vache! Ça l'a complètement électrocuté, il me semble. C'est on fire! Ça, c'est propre. Non, franchement, j'avoue, ça, c'est propre. Et 2 sur 5, mesdames, messieurs. Ouais, donc lui, c'était comme ça qu'on devait le tuer. Hein. Enfin, c'est une façon de faire. Après, je pense qu'il est toujours, tu vois, sur son... je l'ai marqué quand je l'ai fait pour la première fois, il est toujours là-haut. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose. On va se remettre en technicien par contre. On sera mieux comme ça je pense pour aller un peu partout. Par contre j'ai pas la carte d'accès là. C'est un peu chiant. Donc ouais, technique plutôt cool hein, pour celui qui était sur le pont là-haut. J'aime bien. 2, 3, 4. Alors il y en a un encore qu'on n'a pas identifié. On va faire un peu le tour. Regardez, on va un peu sur la piste de danse. Bonne ambiance. Et d'ailleurs on a la manette qui vibre. C'est marrant ça. Chose étrange, par contre, je trouve qu'ils oublient vite le fait que l'arbre est en feu et qu'il y a eu un mort là-haut, quoi, tu vois. Ouais, je trouve ça oublie vite. Donc, cible éliminée, voilà, ils le mettent dans le sac et tout. Ok. Pour l'instant, on reste camouflé gentiment. Là-bas, on a une cible, là, il y en a une autre là-haut. Et il va toujours nous en manquer une, donc il faut qu'on fouille. Eh ouais. On fouille encore, les amis. Est-ce que je peux aller par là? Je peux pas. Take on me. Bah oui, je peux normalement. Tu vas quand même pas m'empêcher d'aller où je veux, non? Ah mais d'accord, bah je reviens ici. Je pense pas que c'est par là. Où est-ce qu'il peut, il peut être, le petit dernier? J'en sais rien. Personnel seulement. Je peux déverrouiller, j'ai la clé. Très bien. Ah mais c'est où? Je suis con. C'est où j'allais avant? Les toilettes. D'accord. Donc on observe un peu tout, hein. On peut ouvrir les chiottes. Y'a qui là-dedans? Y'a personne. Ah, ça rapporte de l'XP qu'on déverrouille les portes? Ah bah attends. Monsieur, pouvez-vous pousser s'il vous plaît? Monsieur, poussez-vous, je vais ouvrir la porte. Non? Oui, il va me faire des soucis lui, je le sens. Bon, apparemment, je peux pas l'ouvrir celle-là. Cherche pas les ennuis, hein, reste cool. Eh, maintenant j'ai les clés. C'est bien ça. On peut mettre quelqu'un au congélo éventuellement. On peut se mettre au congélo aussi, mais je vois pas un peu. Je vois pas à quoi ça sert en fait. D'accord, je suis revenu là. J'adore les bananes. Salut toi. Eh, on pourrait prendre ce costume pour changer un peu, non? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, viens par là. Parce qu'il me semble que ça fait gagner des points le fait de changer de costume, hein. Si je dis pas de conneries. On va se déguiser en barman. Hop là. Toi, je vais te déplacer. Et on le planque. Voilà. Ah, stylé avec la cagoule. J'aime bien. Ah, par contre, le fait d'être en barman, on peut moins aller partout. Par contre, ça c'est sûr. Serveur de l'eau. Ouais, on peut faire genre.
Je suis barman, ça va, vous? On peut empoisonner, donc s'il y a une cible, effectivement, qui vient ici prendre à boire ou à manger... Tiens, je prends la pièce en plus, ça m'en fait 3. Il y a moyen de faire des trucs sympas, on peut prendre une banane. Ça va pas me servir à grand chose. Bon, je pense que je vais revenir en technicien. Je ne sais pas, fou, je pense que c'est mieux. Pour aller partout, quand même. Mais non, pas un autre coco, technicien, je t'ai dit. Moi, j'ai rien contre un autre coco, j'adore, mais bon. Donc on ressort par là, hein, parce que bon... Mais non. Attends. Noix de coco. C'est ma chance. Mais non. Alors là, attends. Alors là, mais non. Mais non. Incroyable. Mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. La noix de coco qui est arrivée au meilleur moment. Bim. Et je passe agent de sécurité et j'élimine une cible. Magnifique. Oh, c'est incroyable. Vite, planque-le. Ah là, franchement, je m'impressionne. Ah, il est passé pile poil quand il fallait, lui, hein. C'est ça, de toute façon, faut les attirer à un endroit où, justement, ils sont isolés, où on peut les piéger, quoi. Alors, hormis celui qui était sur le pont, tu vois, lui, c'est obligé qu'effectivement, on le tue d'une manière un peu particulière, mais... Et spectaculaire, pour le coup. Mais la majorité des autres... C'est quand même plus simple, je pense. Alors lui par contre c'est compliqué parce qu'il est toujours suivi par un gorille. Et mine de rien, il y en a toujours un qu'on n'a pas trouvé. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant, ça c'est chiant. Donc on va continuer bien sûr nos recherches. Et je vous le dis, je vais trouver. Comptez sur moi. Est-ce qu'on est déjà passé par derrière? Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on est déjà venu ici. Quoique. Arrêtez de causer, s'il vous plaît, vous me dérangez. Staff only, donc c'est bon. Poussez-vous, s'il vous plaît, merci. La cible est plus bas. Ah, je suis bien avec ce costume. Qu'est-ce que c'est que ça? Batterie de voiture. Là, on peut planquer un corps. Pour le coup, ça ne me servira à rien. Je suis sûr qu'il y a une histoire de... On peut se balader, tu vois, ici, genre... Voilà, je suis sûr qu'il y a une histoire, on peut se balader sur les bords. Regarde! On peut descendre et tout, là. Il y a obligé, il y a une histoire comme ça. La cible est de l'autre côté, hein, par contre. Hein. Ouais. Attends, je vais descendre. Se suspendre. Tu vois? Il y a une histoire comme ça. C'est vachement bien. Vachement, vachement bien, la cible est là, mais elle descend carrément en bas, oh, c'est pas drôle. Ouais, par contre, je suis obligé à chaque fois d'aller tout en bas. Vite, monte vite avant qu'on me repère. Bon, ils n'ont plus de me faire chourer, moi. Bon, pour autant, ça m'a rien apporté parce que du coup, je descends pour rien, et j'ai toujours pas trouvé la cible. Activer grand écran. Oh, la caméra. My god. Tiens. Ouais, je vais monter. On va essayer de trouver effectivement l'ultime cible qui nous manque. Parce qu'il faut 5 en tout, c'est une certitude. Ah, mais d'accord, j'étais là tout à l'heure. Oh, si on passe ici, je découvre des endroits, moi. Ouais, il y a une poubelle. Ah, tu sais quoi, on va aller voir ici, on n'y est pas allé encore. Eh, hey, c'est trop, trop grand. Les jolies tenues. Un ticket? Ah, on n'avait pas récupéré un ticket d'ailleurs? Il semble qu'on avait récupéré un ticket. Une salle d'arcade? Laissez-moi entrer en secret, personne n'en saura rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, j'ai un ticket, les gars, si vous voulez. Hein. Attends, il me semble que j'ai un ticket, non? Non? Ou alors c'est dans les renseignements? Trafiquant de drogue, les agents. Ouais, ticket du bar à jus. Un ticket nécessaire au barman. Du bar à jus pour accéder aux coulisses. À l'arrière, on lit entrée par l'arrière près des canons. Je pense que c'est par rapport à ça. Le trou du cul au bar, là-bas, arrête pas de me gonfler avec son ticket. Alors attends. J'ai le ticket. Un ticket pour le bar à jus. Attends, reprends ça. C'est ce que j'ai lu avant. Ouais, c'est ce que j'ai lu avant. Le bar là-bas. Quel bar?
Ah! Putain! Ce délire! Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah, c'était chaud! C'était tellement chaud! Mais non, mais lui aussi! Mais non, mais les mecs, vous abusez! Mais qu'est-ce que vous foutez? Je vous ai rien demandé! C'est incroyable! Ils viennent m'embêter, je suis à l'extérieur, tranquille. Ah mais c'est une cible! Oh my god! Ah c'est pour ça! Oh merde! C'est l'agent Swan, un agent de lycéa chevronné. Sérieux professionnel, Swan possède un CV aussi long que varié. C'est l'homme de choix pour les missions moins sensibles. Il est connu pour chasser à l'arc. Ah mais faut retourner sur Far Cry gros. Hein. Du coup... Bon, j'aimerais bien savoir cette histoire de bar là. C'est là-bas, non? Ah, attends. Je sais pas, il va où, lui? Ah non, mais le bar, ça doit être à l'intérieur. Ouais, c'est sûr. Attends, il vient par là ou je rêve? Mais c'est magnifique. Attends, je vais aller tirer ici. Je vais pas me faire chier, les mecs. Je jure, je vais pas me faire chier. Ben ouais, viens par là, gros. Ah, par contre, comment je fais? Descendre. Attends. On peut faire comme ça. Ah j'ai merdé, j'ai réfléchi après à comment j'allais agir, tu vois, genre. Attends, je repasse derrière. C'est un peu risqué ce que je fais, non? Attends, c'est nul en fait ce que je fais. Non mais je suis nul. Attends, là-bas. Hein? Ah okay. Vite, descends. Normalement il va aller plus loin. Et je dis bien, normalement il devrait aller plus loin. Allez, va voir où j'ai envoyé la pièce. C'est une technique de bâtard. Oh, c'est génial. Alors attends, par contre, lui, on le tue comment? Au cutter? Allez, au cutter. Là, c'est mortel. Bingo. Pousser. Oh, on peut le pousser. Magnifique. Ah, sur le coup, j'y ai pas pensé. J'avoue. Pièce de monnaie. Yes. Eh ben, c'est bien. Il avait un DAC X2. Partie hard. Ok. Ah, du coup, ça veut dire que j'ai débloqué les succès donc, que j'ai eu sur ma première run. Et ceux de maintenant, quoi. Trop cool. Bombe de peinture. On va le prendre, ça, je pense que c'est pas interdit. Je reprends le muffin en main, comme ça, c'est un peu moins suspect. Bon, c'est quoi cette histoire de bar et de ticket, du coup, là? Près des canaux. Attends, faut que je comprenne, je suis un peu dur de la feuille aujourd'hui. Hein. Un ticket nécessaire. Aux coulisses, à l'arrière, on lit entrée par l'arrière près des canaux. Mais what? Ah oui, ça c'était le flingue. Ah, c'est ici? Ah bah je pense. C'est trop bien. Attends, 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 je repasse par la gauche là. On va éviter la caméra si possible. Salut. J'ai le pass, messieurs. Je peux passer? Vous voulez un muffin? Est-ce que j'ai le droit? Non! J'ai pas le droit. Je me tire. J'ai pas ce qu'il faut, alors comment je fais pour rentrer? Bah, du coup, ils sont en ma recherche. Sans... Bon, on va oublier. On va oublier, ça j'ai pas compris. Faut peut-être la tenue, remarque. Attends. Ah ouais, faut peut-être la tenue, c'est pas impossible. Tiens, en parlant de tenue, lui là. Il veut un muffin? Attends. Est-ce que tu peux te retourner? Est-ce que je te chope? Allez. Attaque avec le muffin. Attaque silencieuse. Bon, faut bien s'amuser un peu. Livreur, se déguiser. Allez, on va se déguiser en livreur. Peut-être qu'on pourra mieux passer de l'autre côté. Bon, je pense pas quand même, hein, j'ai un doute. On peut le balancer où lui? Est-ce qu'il y a un truc de ce côté là? Non. Ah là, il y a un conteneur. Super. Bon, on prend le temps, hein. On est pas pressé, on essaie de faire ça correctement, enfin correctement, et essayer de te faire un peu plaisir aussi. Clé de scooter. Oh. J'ai eu la clé du scoot. Il serait où ce scooter, par contre? J'ai peur d'aller par là, mais en même temps, je suis trop curieux. Ah bah il est là. Voilà. Livraison de nourriture. Ouais. Une commande de nourriture est censée être livrée au club de bikers.
Le livreur a reçu pour instruction de sonner à la porte en arrivant. Ah mais attends. C'est pas grâce à ce costume qu'on va rentrer d'ailleurs dans le truc ? Déverrouiller caisse de scooter. Mais c'est trop bien. Empoisonné. Ah, il nous faudrait du poison. Ah, c'est comme ça qu'on pourrait avoir une cible. Ouais. D'accord. Là, on peut sonner, ça va ouvrir, du coup, on va pouvoir rentrer. Pourquoi pas, franchement. On va essayer. Même si je n'empoisonne pas. Ah, et comme ça, à la limite, je suis con. On l'empoisonne pas, mais on va quand même s'occuper de lui. Parce qu'on va prendre son costume. Et après, on pourra rentrer là-bas. Ce qu'on a découvert avant. Excellent, ça. Eh oh. Ah, il arrive. C'est le livreur. Ok, prends ton temps surtout. Well, about damn time. Now leave the food and get lost. You ain't getting a tip. Ah, t'es comme ça, toi. Salut. Ah, viens par là. Hop. Même pas, je me pose des questions. Je veux ton costume. Eh, je suis en biker, c'est trop bien. Par contre, je planque où? Ça, par contre, c'est un peu plus embêtant s'il n'y a pas de planque. Ah si, il y a un conteneur là, dehors. Nickel. Viens par là. Parce que dans la caisse, ça va être compliqué. Dans la caisse du scooter. Ouais, c'est fait pour. Hein. Allez, tu dégages. Et maintenant que j'ai la tenue de biker, je vais pouvoir, c'est la première fois que je la prends d'ailleurs, je vais pouvoir maintenant m'incruster. J'ai le ticket, j'ai la tenue. Je pense qu'on peut s'incruster de l'autre côté. J'espère que je pense bien. On est de retour ici, très bien. Je me perds un petit peu dans ce niveau qui est encore une fois énorme. Et là, on va refaire le tour, passer par les canaux. J'aime bien un petit peu tout découvrir, même si forcément on ne verra pas tout, hein, loin de là. Encore une fois, il n'y a que 6 missions dans le jeu, mais alors ce sont des missions qui sont ultra ultra prenantes, avec une durée de vie de folie. Hein. Je peux y aller ? Looking good, man. Looking good. Je pense que c'est bon. Yes ! Voilà ! On est content ! Bon là, attention, parce que là par contre, c'est la famille. Hein. Ils se connaissent tous entre bikers. Encore une noix de coco, tiens. Ça m'a sauvé la vie. Je peux faire quoi ici? Couteau de cuisine, ouais. Sac de sucre. Et en fait, ça me sert à quoi d'accéder à cet endroit? C'est la question que je vous pose. À quoi ça peut bien me servir? Eh ben, je ne sais pas. Là, on peut attirer quelqu'un ici, avec le générateur. On peut se planquer là éventuellement. Le problème c'est qu'il y a l'autre de l'autre côté, donc pas terrible. Là on peut s'incruster ici, tu vois genre. Mais la cible est là-bas, donc j'ai aucun intérêt à venir ici quoi. Bon, c'était surtout pour vous montrer un petit peu les possibilités les amis. Là maintenant on va repartir. Attention à la caméra. Là on va repartir et je vais m'occuper de la cible. Ok? Allez. Alors je suis un peu mitigé avec cette mission, je me dis que... Ça aurait peut-être été bien qu'on puisse quand même avoir des intrigues, tu vois, pour nous guider un petit peu. Mais en même temps, c'est bien le fait qu'on soit libre d'improviser. J'aime bien aussi. Donc, j'ai le cul entre deux chaises. Eh, truc de fou. Avec ce costume, on peut aller quasiment partout. Je suis impressionné. Même dans les endroits où c'est pour la technique, hein. Regardez. Il n'y a aucun problème. Incroyable. Tant mieux, hein. Alors, la cible est juste là. Il y a toujours un gorille avec lui. C'est potentiellement la cible la plus relou. Je sais pas encore comment je vais me la faire. Mais je l'aurai. Comptez sur moi. On a été repéré par une caméra. C'est pas un souci. Ah, j'ai quoi? Noix de coco, tournevis. Ouais. Bombe de peinture. On va rester sur la pièce de monnaie. Ça vient de le séparer de son gorille, lui. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je vais y arriver un moment, mais...
J'ai envie de le shooter là. Attends, je vais prendre un autre coucou, je vais lui envoyer par la tronche. On va se marrer. Ça va être drôle. J'ai trop envie. Mais il faudrait qu'il s'écarte un petit peu de lui. Bah, c'est un risque à prendre là, vraiment. Bah, pour le coup, c'est un gros risque. Hein. Il est à peu près. Écarte-toi! Je peux pas, ils sont trop proches. Ah, il fait un demi-tour, attention. Oula, ne laisse pas dépasser ton crâne reluisant, s'il te plaît. Là, il s'arrête? Wesh! Parfait. Super. Non, il part par là-bas. Non. Donc j'ai eu son gouris. Est-ce qu'il va y avoir une tournante? Oh, la carte d'accès. Joli. Ça va permettre d'aller un peu partout, ça. Ce qu'il y a de bien, les amis, c'est que là, là au moins, il n'y a plus personne avec lui. Ça, c'est intéressant. Par ici, donc c'est là où on a tué l'autre là avec l'arbre. Excellent, ça c'était génial hein. Par contre c'était le meilleur move. Ouh, seringue, il a lâché du poison mortel. Attends, mais l'autre on peut peut-être le piquer. Y a pas une histoire comme ça? Bon, je sais pas si je prends le risque, mais enfin bon. Attends, mais j'aurais pu le tuer là dans ce... Maintenant là je peux. Maintenant non, vu qu'il y a un mec en face, mais on aurait pu. Mais il me semble là qu'il est en train de faire la même ronde. Oh, lui il dort, si on aurait pu carrément le faire. Lui il dort donc on le tue, même si c'est devant lui c'est pas grave, et on le fout dans le frigo. On aurait tellement pu faire ça. Quelle tristesse. Mais par contre j'ai peur qu'on le réveille si on envoie une pièce. Ah mais il y a lui aussi qui peut venir. Ouais non, c'est risqué. Ouais, c'est pas si simple que ça. Hein. Parfois le jeu te trompe un petit peu, tu vois. C'est fini, messieurs. Ah, il fait demi-tour. Très bien. Oh, lui, il s'en va. Lui, il dort. Franchement, pourquoi pas? On le fait? Allez, maintenant. Je te pique. Il me dit connu, je t'embrouille. Joli. Alors, ce qui serait bien, par contre... Hop, je récupère l'oreillette. C'est déplacer le corps, quand même. Ce serait pas mal. Mais les mecs là, ils m'inquiètent beaucoup. J'ai peur qu'il... Oh putain, il arrive l'autre. Ne touche à rien, ne touche à rien, laisse le corps ici. Est-ce qu'il va le voir? J'espère que non. Hein. Bon, il est un peu planqué quand même. Mais j'ai peur là. Là, j'ai peur, vraiment. Ne te retourne pas, ne regarde pas le corps. Et dès que le mec y repart, je vais le mettre dans le frigo. Et après, on se casse vers la sortie. Ça peut être pas mal. Il a rien vu. Super. Oh, ça sent très bon. Et lui, il dort. Oh putain, c'est abusé. Mais oui. Mais c'est trop trop bien. Allez. Et voilà. Le corps est caché. Ah, c'est trop stylé. Et maintenant, on se tire. Tranquillou, pépouze. Ah, quand même, c'était bien. Hein. Quand même, c'était pas mal. Je trouve. Ils me disent qu'il y a une sortie par là. Je vais la prendre, écoute. Ah oui. Bah, on ressort par là où on est venu, en fait. Tout simplement. Voilà. Ah, il n'y en a qu'une? Ah, d'accord. Je sais pas, vous me direz, sûrement qu'il y en avait plusieurs, peut-être, de l'autre côté. Il y a encore des endroits qu'on n'a pas vus. Regardez là-bas, je suis pas allé. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la cabane et tout. Mais enfin, bon. Tellement de possibilités dans les Hitman, c'est incroyable. We're clear. You killed all of them? They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Et voilà. Fin de la mission. Une mission vraiment spéciale. Pour le coup, très 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 particulière. Et donc, 5000 XP. Alors je vous rassure, j'avais eu beaucoup plus d'XP la première fois. J'avais eu 16000 XP. Pour tout vous dire. Donc résultat, 2 sur 5.
C'est tout? Ah bon? 2 sur 5, bah écoutez, j'avais eu 1 sur 5 sur ma première tentative. Je suis un peu déçu en fait. Bah ouais, je suis un peu déçu. Parce que la deuxième était beaucoup plus intéressante que la première. Et j'ai que 2 sur 5. Parce que j'ai tué les cibles. Ah remarque, mais... Ah ouais, il y a une cible innocente morte, c'est sûrement ça qui me pénalise aussi. Chat noir. Oh. Eh bien écoutez, sur ce, merci à tous. L'important c'est, voilà, vous avez vu la mission. Je suis pas très content de mon... du résultat final, pour être franc avec vous, j'ai fait 1 étoile sur 5 lors du premier run et 2 sur 5 là pour la deuxième. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer la première partie, le résultat, attention. Et donc, attention. Une étoile. Franchement, c'est pas jojo, vraiment. Donc j'espère qu'on va se rattraper sur les prochaines missions. Mais j'ai pas été bon ce soir. Non, j'ai pas été bon. Merci à tous. Portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. A très vite. Ciao, ciao.